Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte. Et aujourd'hui, on va découvrir le jeu Botty, Byteland Overclocked. Donc, si j'ai bien compris, parce que je me suis un petit peu renseigné, j'aime bien découvrir les jeux en même temps que ce que je vous le présente, quoi. Donc, je ne teste absolument pas le jeu avant, parce que je l'ai juste lancé pour la config graphique. Mais je vais vous présenter le jeu du coup en même temps. Donc, Botty, c'est un jeu de plateforme. Il y a plusieurs styles de jeu, a priori, si j'ai bien compris. Il y a de la plateforme, il y a un peu du runner, des trucs comme ça. Enfin, on verra ensemble. A priori, c'est principalement de la plateforme, de toute façon. Et c'est très coloré, vous allez voir. Donc, ça se joue à la manette. Donc, moi, je vais y jouer justement à la manette. J'ai ressorti une vieille manette pour ça. Ça se joue aussi en coop. Donc. Ça peut être sympa en coop. Par contre, c'est disponible uniquement en anglais actuellement, donc il n'y a pas de traduction française. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Et c'est disponible au prix de 19,99€ sur Steam. On remercie l'éditeur qui nous a fourni la clé, donc c'est Untold Tales. Et le jeu, vous pouvez l'acheter sur Games Planet et profiter en ce moment de 25% avec notre partenariat. Voilà, donc on va commencer le jeu. Je reviens sur l'image du jeu, voilà. Et c'est parti. Allez, on y va. Every computer is different. A unique array of parts, programs and processes. And every bit of it is constantly changing. That's part of what makes transferring to a new system so exciting, but also daunting. Installation is only the beginning. Duke, what are we installing? Pause for a tick one. We need to help orient newcomers, get them familiar with our system, and the task they'll be charged with. That's why you two are here, to help make our new bot's integration less overwhelming. A new bot? I knew it! Good. We need fresh bites. Some bots here are so inefficient. Zero. Every bot here does a good job. Can we open the package, Colonel? Certainly. Wow, cool. This is the most up-to-date data transmission bot that's compatible with our system. Ah, a courier. Yes, this is Botty. Welcome to Byteland, Botty. A newly installed bot has much to learn. Botty is bound to make a few little errors. That's part of learning. You'll be Botty's info bots. Please join me over at our testing environment. Can't this go any faster? Cool your code, Zero. I hope you're not going to whine like this in front of our task manager. I'm not whining. Botty? Zero? One? Good. Yes. What's the task? Oh, Zero, you know what it's gonna be. Okay, so, we've got a simple integration routine here. Botty, just follow the course, gather data, and perform the necessary actions. Simple. I know you're more than capable of this. Begin when you're ready. Okay, team, let's get as much data as we... Oh, that pesky physics engine! Okay, alors, pour les non-anglophones, ça va être très compliqué, mais c'est en gros, on est dans un ordinateur a priori et on est un nouveau package qui a été installé et du coup on est en train d'être installé. C'est bourré de, alors moi qui bosse dans l'informatique, hein, c'est bourré de références à tout ce qui est informatique, quoi. Par exemple, là, les deux petits bots qui nous suivent, ils s'appellent 0 et 1. Donc voilà, le vieux papy là-haut qui nous aide, il s'appelle Kernel. Voilà, c'est très très drôle. Tous ceux qui ont, oh, des vies. Tous ceux qui ont des références, enfin tous ceux qui bossent dans l'informatique verront les références et c'est très drôle. Donc on est Botty. Voilà. Donc on peut sauter, on peut taper a priori. Voilà. Oh. On peut faire un dash, ok, et voilà, c'est à peu près tout. Donc là, il faut qu'on ramasse des bytes, je crois. Ok, on peut taper les caisses. Allez, mais voilà. Alors là-bas, il y avait des trucs, on va essayer d'aller les choper.
peut-être avec le... Oula, est-ce qu'on peut faire un double saut? Oui, on peut faire un double saut. Bon, c'est de la plateforme, hein, c'est basique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, on peut le puncher. Je vais ramasser un truc vert, je sais pas ce que c'est. Des bites encore. Ok. Bon, on a tout ramassé. Est-ce qu'on peut le taper lui? Oui, mais ça fait rien. Ok. Alors, tiens, il y a un interrupteur là-bas. Ok, donc a priori on a tout ramassé. Je sais pas. Il y a des trucs dans l'eau là qui traînent. Là-bas il y a de la rame, a priori. Hop. Donc. Good job, buddy. Voilà. Jump on these blocks to get across. Oh, try a double jump. Jump, then jump again in midair. Ok, il faut qu'on essaye le double saut. Merci. J'avais compris tout seul. Hop. Boum. Ok, on peut taper ce truc. Ah, encore. Ok, j'aurais pu le taper plus, peut-être l'autre tout à l'heure là-bas au début. Il y a plein de caisses. Oh, il y a un truc jaune, là, je sais pas ce que c'est. Ah, je peux pas faire le Mario à taper dessous. Ça marche pas. Est-ce que je peux l'atteindre ce truc? Yes. Non, là-bas je pourrais pas y aller. De toute façon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Hop, donc on va avancer. Here's an encoder. Input the required units, and output will follow. I love output. What will it be? Hop, alors là, il me faut 24 mégas, a priori. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, là? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce truc? Non. Ok, on ramasse les trucs. Boum, boum, boum. Y. Ah d'accord, donc c'est des mégabits que j'ai en haut à droite. Ok, donc en fait chaque point est un mégabyte. Ok, très bien. Allons-y. Oh ouais, il y a une Raymanta qui passe au-dessus là. Je sais pas pourquoi, elle me donne envie de l'attraper. Elle brille. En général, ce qui brille dans les jeux vidéo, faut y attraper. Ah, oh, un installeur. Oh, scanner. Try it out. The scanner highlights important objects around us. Pay attention to the colors. Red equals danger. Ok, on a un scanner qu'on peut activer ou désactiver. Donc les trucs verts, a priori, c'est les trucs qu'on peut ramasser. Les trucs rouges, c'est les méchants. Ouais, ça a l'air d'être ça. Et les trucs jaunes, ça doit être les trucs sur lesquels on peut, avec lesquels on peut interagir. Ok. Bon, pour le moment, c'est donc un platformer. Tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec un thème un peu informatique. C'est très sympa. En tout cas, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup le thème. Il me faut 48, bon, les alarmes. Ouais. On active des trucs pour avancer. Bon, là on est encore dans le tuto, hein, donc de toute façon. Hop. On peut le taper lui. Oui. Oh, il nous fait sauter. Fantastique. Fun. Ok. Oula. Ok, il réagit. Hop là. Ok, eux ils vont nous faire sauter aussi. Yes. Voilà, on va avancer, pour le moment pas trop de difficultés, hein. En même temps, c'est le tuto. Ah, on peut planer. Yes, si on garde appuyé, on peut planer. Un bouton. Ok, je saute et je fais B. Boom. Yes. Attention de ne pas tomber. On va y arriver. Ouh, alors si je contiens A, ouais voilà, si je maintiens A, je peux aller plus loin. Voilà, je peux planer. On l'a découvert tout seul finalement. Oh, on peut sortir du sable. Allez, sors-toi de là. Non, tant pis, reste-y. Oh, il y a une bouée là-dessous. Oui, très bien. Est-ce que je
peux lui sauter dessus vite, non? Faut que... Oula! Faut que je le tape. Allez! Pour qu'il devienne comme ça. Oh, un coffre! On a ramassé plein de trucs et il en reste en bas là. Hop! Touk. Allez, on avance. Elle est là, la méga rémentale. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non. Elle est pas en couleur. A priori, il n'y a rien à faire. On a oublié des trucs là-bas. Tant pis. On avance. Ok, le dash, ouais. Il y a marqué quelque chose là. Attendez, il y a marqué press release là, on est d'accord? Lol. Allez. Hop. Ça fait quoi si je fais dans les airs? Ok. Mince, je me suis trompé de bouton. Ok, ça commence bien. Allez. Bon, a priori, la mort n'est pas trop fatale, du coup. Ok, c'est ça pour dasher. Ok. Très bien, j'ai réussi. Ok, là-bas, il y a un training. Training zone. C'est quoi ça? On va aller voir. Hein. On est là pour essayer. A twinkle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. On a ramassé quelque chose. Qui va peut-être nous servir. Sûrement. Hop. Allez, on ramasse des datas. Et... Et on a bientôt un giga du coup. Oh non, on va faire donner 96 mégas là. Alors c'est marrant le... Oula ! Ah oui d'accord. Les deux bots qui me suivent là. Donc il y a 1 et 0. Donc 1 et 0 et... I suggest hitting each of these dummies' body. Donc le 1... Smash, ouais. Donc le 1 est très positif et le 0 est très négatif. C'est rigolo. Eh, mais c'est tout tombé dans l'eau. Mais rendez-moi mes bails. Faire quoi, là? Faut le dasher dedans. Bim. Allez, on ramasse tout. Et on avance. Touk. Eh, carnage. Come on. Look at this slowdown. See, slowdown. I keep saying that overclocking the processes will improve productivity, but do they listen? No. And it will just take a few simple commands that no bot can be bothered to do it. Anyway, good show, buddy. You first, naturally. Bon, on est trop fort. Let's do it. Huh? Let's overclock the system. Zero? That would mean sneaking into the CPU without permission. Right. Bad idea. No, it's a great idea, which is unusual for you. What do you say, Body? Colonel said it would be good. Yeah, let's go. Allez, on va aller overclocker notre CPU. Okay, the processor. J'adore les références. Oh, on est dedans. Let Body change first. A data courier needs the right skin for the job. Okay, but let's be quick. Ok, donc il y a des niveaux qui sont ouverts, donc là on est dans une sorte de... comment on appelle ça? Les mondes avec les portails là, qu'il y a dans les jeux de... C'est quoi ça? Oh, on peut changer de skin! Cool! On va pouvoir débloquer des skins, oh, il y en a plein! Il y a les... Putain, j'adore! En haut, il y a un chemin avec un C2 points et tout. Lol. Allez, on va changer de skin juste pour le fun. Hop, alors, il y a quoi là-haut? Moi je visite, moi j'adore visiter. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Choose a folder, furniture. Ok, donc je suppose qu'on peut modifier des trucs, mais... Upgrade. Oh, on peut acheter des upgrades. Ah, j'en ai acheté. Attendez, j'ai ma souris qui est activée en même temps. Body durability. C'est où le prix? Ok, data flow. Je sais pas ce que j'ai fait.
J'ai acheté de la durabilité, mais enfin j'ai acheté un cœur du coup. Mais je sais pas où sont mes sous et où sont mes trucs. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc ici on pourra venir s'améliorer. Là on peut changer notre skin. Là il y a un truc bloqué. On verra plus tard sûrement. Il y a plein de petits cadenas partout. Donc je suppose que c'est des niveaux qui vont se débloquer au fur et à mesure. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ça nous envoie où ça? Yes. Je sais pas où je suis. Oh, des données. Je sais juste que c'est pas là qu'il faut que j'aille. Bon, il y a très peu de données. Hop, t'as rien à me dire, toi. Mais comment je retourne là-bas maintenant? À part là-bas, peut-être. Ok. C'est pas la zone du tuto, ça? Non, je... Si, peut-être, je sais plus. Là-bas, on dirait que c'est la zone du tuto, là-bas. Ok, là il y a rien en bas. Je crois bien que c'est la zone du tuto là en fait. Ok, est-ce qu'on peut pas courir? Non, on peut dasher, on peut pas courir. Ok, donc on va retourner là-bas. Je suppose avec ça. J'espère. Oui. Ok, donc là il y a des trucs. Là on peut acheter un ring de boxe. Fun. Zéro. On a acheté un ring de boxe. Fantastique. Pour s'entraîner à taper les machins. Et si on peut le taper, ouais. On peut taper tout le monde. Ok. Alors c'est quoi ça? Il y a un score en. Ok, on a tout eu, très bien. On va ramasser les trucs qu'il y a partout. Toutes les données, voilà. Hop, touc, touc, touc. Voilà, et puis après on va aller au niveau. Hop, là il y a un truc, donc là il faut faire le pouf, c'est ça. Ah, il faut essayer de le faire de plus haut peut-être. Attendez, on va monter sur les caisses là. Est-ce que je peux faire un double saut là-dessus? S'il vous plaît, voilà. Boum. Quoi? Je peux pas faire mieux que ça? Non, ça fait que 200. Raté. Alors, je suis très nul en jeu de plateforme en plus, hein. Ok, je l'ai fait trop tard. 200. Ouais, bon. Ok, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Ah, fun. Raté. Allez, c'est parti. Ok, donc on y va. Là, on a tout ramassé. Non, il en reste un là. Ok, allez, on avance. On va pas rester dans la zone du tuto trop longtemps. Par contre, j'ai pas. Enfin, j'ai réglé mon micro rapidement. Body. J'ai réglé mon micro rapidement. Faudra me dire. Faudra que je regarde un peu la sortie. Puis faudra me dire s'il y a des choses qui vont pas aussi. Puisque. Là, je suis sur mon nouveau PC. Oui, j'ai changé de PC depuis la dernière fois. C'est pour ça aussi que j'ai été absent pendant un petit moment. Parce que je voulais faire des vidéos. Mais je pouvais plus avec mon ancien PC qui était devenu trop limite. Et du coup, j'ai dû réinstaller évidemment OBS, tout ça, et j'ai refait la config dernièrement, donc il faudra me dire s'il y a des choses qui sont un peu limites au niveau de l'enregistrement, si c'est que ce soit au niveau de la vidéo ou de l'audio. Voilà, donc là on va l'attaquer ce niveau, je suppose que c'est ça. Main processor. Et bah allez, on va dans le processeur, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Okay, we're right near the central processor. We just need to find the control unit. And then we can overclock the system. It'll be like bzz, bzz, whoosh, yeah. I hope it isn't quite like that. Bruno said it would speed up the system, so it'll probably be exactly like that. Ok, donc on va chercher l'unité centrale pour la pour l'overclocker. C'est quoi ce ballon? Vous voulez péter les ballons? Ouais, mais ça fait rien.
Et lui là? Non. Ok, on casse tout. On ramasse des données. Ah, on peut parler à des gens. Ah. Ok. Donc lui, c'est bien de faire un break après avoir travaillé comme un trojan, comme un virus quoi. On devrait faire des pauses pour faire des mises à jour plus souvent. Voilà. Yes. First try. Il y a un truc caché là-haut. Les pièces dorées là qu'on a ramassées dans le tuto. Il y en a une là-bas. Donc ça va sûrement me servir à quelque chose. Code. J'aime bien, il y a des petits messages dans le sable à chaque fois qu'ils font référence à des trucs d'informatique. Ok, donc là on a fait le tour, là-bas il y a un mec à parler, a priori là on peut monter là-bas en haut. Oh, il y a un truc à récupérer là-bas en haut aussi. Yes, ils jouent au ballon. Hein. Je peux leur piquer leur ballon. Moi aussi je joue au ballon. Oh, il la rattrape quand même. Ah non, je peux pas prendre leur ballon, dommage. Alors qu'est-ce qu'il dit lui? C'est beau, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il a fait des cubes de données. Oh. A bot dog's aerial boost. Un bot dog. Yeah, but they taste so good. Oh. Il y a des saletés. Alors. On va péter les mouches là. Espèce de mouche là. Ok. Ah, j'ai débloqué un succès en sautant dans la poubelle. Fantastique. Dans l'eau là. On va peut-être pas aller dans l'eau, je suis pas sûr que je puisse aller dans l'eau. On va pas écouter tout ce qu'ils disent. Oula! Ah oui, ça brûle. Ok. Le feu ça brûle. Yes. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Ah oui. Ah putain. D'accord. Ah, j'adore la référence encore. Attention, ne t'approche pas de la grille, ça brûle comme un CD. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, pour graver un CD, on disait qu'on le... Enfin, à l'époque, hein. Qu'on le brûle, enfin, qu'on le brûle. Testing, 0110. Sure, this is our main processor. It's nifty, no doubt. So many cores. It seems to have everybody excited. They all talk about getting the most out of it. The first priority is maintaining high speeds. Ok, donc il faut qu'on maintienne la speed. La vitesse du processeur, qu'est-ce qu'il fait lui? Rappelez-moi pourquoi on fait ça encore. J'adore du coup les blagues qui sont faites dans ce jeu. Vraiment, c'est à mourir de rire. Ok. Très bien. Il y a beaucoup de données dans ce truc-là. Allez, voilà. Ok, donc là on a à peu près tout exploré. Il y a une grosse flèche qui nous dit d'aller là-bas. Il y a un gros bouton, on ira après aussi. On va déjà monter là-dessus. Oh, c'est un CD ça, non? Oui, bah en fait je suis venu là chercher le truc, je suis passé par en dessous, moi j'ai un peu triché. Très bien, bah on va aller là-bas du coup. J'aime beaucoup les blagues de ce jeu quand même. Boum! Le bouton. On se rappelle que par là-bas, là, il y a le truc doré hein, qu'il va falloir attraper. Qu'est-ce qui est inactif? Ok, il faut qu'on ajoute les données pour encoder le truc. Voilà. Là c'est fermé. Ok, là il y a des données qui transitent. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Ah, est-ce que le driver a fini de se mettre à jour? Vas-y, viens là, toi. On va monter en haut. Clac. C'est quoi ça? Ok, donc là-bas je peux sortir. Ouh, il y a plein de choses là-bas. Mais nous on va aller là-bas pour le moment. Voilà. Ah, je suis tombé. Chut.
va ramasser les tonneaux qu'il y a par terre ici. Là-bas, ce serait pour aller chercher le truc, a priori. Hein. Hop. Et qui a activé ce générateur? C'est moi. Oula. Alors, on remonte là-bas. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Ouais. Allez, on va essayer de pas tomber cette fois. Ouh, yes. Allez, donc là, il va falloir... Voilà. Récupérer ça. Oh, ça, c'est carrément sans donner. Ah oui, là-bas, il y a le truc. Là. Ah, ok. Ok, donc si je dash là-dedans, ça y casse. Ok, boum. Je sais pas à quoi ça sert, ça, mais on y a attrapé. Ah, c'est pas le pour acheter des améliorations, justement. Ah, je crois bien... Je crois bien que c'est pour acheter des améliorations. Ces trucs, en fait. Allez, hop. On avance là. Oh. Oh. Hey, hey, look up there. At what exactly? That tower. I think it's the control unit. Why? It's big and it's tall and it's right in the middle of everything. So it must be important. Watertight reasoning. Huh? If you got any better ideas, I'm listening. Let's try to find a way up there. Ok, il faut qu'on trouve un chemin pour aller au milieu, sur le gros truc rose en plein milieu. Ok, donc c'est parti. C'est assez grand les niveaux, dis donc. C'est cool, j'aime beaucoup, c'est très joli, c'est très coloré. Donne-moi ça, toi. Hop, un petit cœur, yes, on a récupéré le petit cœur qu'on a perdu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe avec ces workbots? Un infinite loop? Let's restart this generator body. Try following the wires. We should help the workbots first. Where's their four box? Avec ça? Not our problem. Tu peux l'attraper, ça? Non. Oui, il y a un coffre, là. Donc. Ouh. Yes. Deux coffres. C'est important, les coffres, a priori. Et lui, il dort, là. Allez, réveille-toi. Va bosser un peu. Non, mais où? On a un processeur à faire tourner, bordel. Vas-y, donne-moi tes caisses, toi. Yes. Toi aussi. Allez, salut. Alors, du coup, là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a quelque chose à faire au milieu? Non, on dirait pas. Là, ça doit être un des générateurs à mettre en route encore. Là, il y a une corde, je peux monter à la corde? Non, non, je peux pas monter à la corde. Hop, là, on casse les caisses, on récupère les trucs. Gilbot, comment il est arrivé là? Ok. Alors, oh, un tag. C'est sympa, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je m'avais qu'il descend. Oh, je me suis fait empoisonner par la poubelle. Ou c'est les chiens dégueux? Ok, alors du coup. Oh, les caisses! Donne-moi les caisses! Donne-moi les caisses! Donne-moi les caisses! Ah! Voilà, tiens, bim! C'est quoi ce truc jaune là? Ah oui, c'est 100 points ça! Enfin, c'est 100 mégabytes du coup. Ok. Ok, il y en a un autre là-bas. On va monter là déjà. Alors lui, il va nous faire sauter pour attraper les. Non! Voilà. Merci. Clou, 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 on chope les gros trucs verts qui donnent des points. Voilà. J'ai pas compris si les améliorations, par contre, il faut des... Alors là, c'est fermé. Pour les acheter, si juste le rond, ça suffit, là, ou s'il faut en plus payer des données. Bon, alors, a priori, là-bas, faut monter là-haut. Par où on y monte? Par là-bas. Il y a un truc pour monter là. Hop. Clac. Oh. Quoi? Il m'a accroché lui. Ah. Comment on l'enlève? Mais eux. C'est quoi ce truc? Lâche-moi. Saleté.
Bon, ça va, ça me fait pas perdre de vie. Alors, du coup, on monte là. Boing. Ok, là, il y a plein de trucs. Il y en a un dehors qui nettoie les vitres, là. Non, il est juste dehors. Ok, allez, hop, on va là. Bon, il y a des caisses en bas qu'il faut ramasser. Oh, il y a une pièce en haut, là-bas. J'appelle ça une pièce, mais je sais plus comment ça s'appelle. Botcoin, in the vicinity. Un botcoin, ok. Évidemment. Évidemment. Hop là, on ramasse les petits trucs. Là-bas, on va appuyer sur le bouton pour ouvrir la grosse porte, je suppose. Le niveau a l'air très très grand. En tout cas, c'est un jeu de plateforme assez classique. J'aime beaucoup. Ça change un peu. Je fais pas souvent des jeux de plateforme. Alors là, on a activé le truc. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Oh, il y a une pièce jaune ici. Enfin, 100 bytes. Enfin, 100 mégabytes, du coup, vu que c'est des mégabytes, a priori. On a vu. Hop. Allez, on casse tout. Hop. Il en reste là-bas au milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pourquoi il y a un truc qui est jaune? Non. Est-ce qu'il faut pas le mettre en route? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, est-ce que maintenant ça aurait ouvert la porte là-bas? Non, toujours pas. Ah, là-bas il y a un autre bouton. Comment on monte là-bas? Oh là, avec les caisses, il faut pas casser les caisses. Et on va jouer à Mario là. Hop, touc, touc. Ok. Ça fait une petite référence à Mario si on veut. Enfin, Mario ou un autre jeu de plateforme en 2D. Ouh. Allez, on monte là. Oh, il y a un truc caché ici. Y. Do you know our current task, Body? Of course, Body knows. Oh. Right, Body? On a chopé un nouveau skin. Ah ben, on va le mettre. Wouah! C'est un skin de chantier. Touk. On a cassé la petite lampe. Fun. Notre bouton, il est où du coup? Il est là-bas. On est passé à côté, on l'a même pas vu. Boom. The system is pausing for updates. Voilà, ça a ouvert la porte. That's why some of the bots here are off duty. Yeah, every bot knows that. You don't have to pretend to know everything, Zero. Hmm. Does that panel look out of place to you? I'm asking me. It was more of a rhetorical question. Alors sur la vidéo de présentation du jeu, j'avais vu d'autres phases de jeu un peu différentes. Je sais pas si je vais pouvoir vous les présenter du coup. Dans cette vidéo, parce que je sais pas quand je vais y avoir accès. Alors, du coup, là-bas on a ouvert la porte, mais on n'est pas allé voir là-bas. Hop, ah là il y a des trucs cachés aussi. Ah, une poubelle. Ah, non, je l'ai pris sur la tête quand même l'autre. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Ouh. Oui, on était déjà passé là. Ok, la petite icône en haut, c'est juste pour me dire à côté de ma vie, là, quand j'ai pris le truc vert, là. À côté de ma vie, regardez, il y a une petite flèche vers le bas, je croyais que c'est ma vie qui allait descendre, mais en fait, non, c'est juste pour me dire que... j'ai ma vitesse qui est ralentie. Boats for break, boats for breaks. Ok, alors, là, on va faire comme ça. Yes, je l'ai eu. Là-bas, il y a des trucs, on dirait. Là, il faut péter ses lumières, j'ai l'impression. Touk. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas ce que ça fait, mais je l'ai fait. Ok. Voilà. Touk. Ok, maintenant, on va où? Alors, on va aller à la porte qu'on a ouverte. Oui, tout à fait. Après on va peut-être s'arrêter parce que ça fait une grosse demi-heure que je tourne la vidéo, donc c'est pas mal pour une vidéo de présentation.
Gate up ahead. Do we need more files for the encoder? Let's go look. Oh, 100 mégabits. Allez. Hop, alors là, on ramasse tout ce qu'il y a à ramasser. Tac. Et il faudrait qu'on monte là-haut, là. Jump, jump, jump. Allons-y. Ah, mais même les... Même les bancs, là, c'est des... C'est des composants. Alors, attendez, hop. J'ai vu un truc, là. Voilà. Yes. Pourquoi ils sont là-haut, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ah! Je me doutais bien que j'allais pas y arriver. Non, mais je suis tombé, mais... Là, je suis très nul en précision avec une manette. C'est pour ça que je joue très peu à la manette. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de jouer aussi un petit jeu très sympa sur ma Switch. Oh, je peux pas... Hé, hey, comment on va là-bas? Comment on va là-bas? On va pas casser la vitre, là? Ah là, il y a un truc là. Boum. Voilà. Je sais pas ce que c'est ce truc jaune. Alors, faut que je trouve comment aller là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir ici? Non. Comment est-ce qu'on sort de ça? Là-bas, il n'y a pas un truc pour sortir. Je ne crois pas. Bon, peut-être que c'est après, là, on va aller voir. Une poubelle, on peut taper sur une poubelle. Oh. Je suis tombé dans la poubelle. Alors là, on balance tout. Ouf. Oula. Looks like the circuits are in motion. That body seems kind of hacked off, though. Let's ask what's up. Bon, pour le moment, c'est pas trop violent, hein. Je veux dire, le jeu est pas trop méchant avec nous, hein, sur le premier niveau. Ok, voilà, c'est assez facile. Ok, lui, non, 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 s'il te plaît, c'est sûrement par là qu'il faut aller pour aller chercher l'autre là-bas. Ah, attention, bah il y a des trucs qui piquent. Ah, voilà. Bon, il y a un petit cœur là, c'est très bien, c'est parfait finalement. Ok. Oula! Qu'est-ce qu'il se faisait? Ok, le jeu a planté, fantastique. Bon, et ben écoutez, sur ce, je crois que ça va mettre fin à la vidéo. Le jeu a planté, fantastique, donc bah. Je vais le relancer, puis on verra plus tard. Ou alors attendez, il s'est lancé deux fois. Non, on dirait pas. Fatal erreur, ok. Bon, bah voilà. Et bah écoutez, sur ce, moi je vous souhaite à tous du coup une bonne continuation. Moi je vais continuer le jeu sûrement parce qu'il est très sympathique. Pouvoir un peu découvrir ce qu'il y a de plus à faire dedans. Jeu de plateforme, ça me change un peu, j'aime bien. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle découverte. Allez, salut à tous, ciao.